Bonjour et bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je vous propose aujourd'hui de déballer ma dernière commande. C'était la précommande du nouveau catalogue Stamping Up. Ce nouveau catalogue, vous pourrez le consulter à partir du 2 juin. Mais en tant que démonstratrice, j'ai le droit d'avoir quelques produits en précommande en avant-première. Et bien sûr, je vais vous en faire profiter. Vous allez voir, c'est magnifique. Allez, on tourne la caméra et je vous montre. Cette année encore, Stamping Up nous offre un très joli catalogue avec beaucoup de très très jolies collections. Alors, on commence avec la collection Coup de cœur. Donc, elle comprend tout d'abord ces magnifiques papiers en 30-30. Vous allez voir comme elle est belle, tout en dégradé de bleu et de vert. Ils sont magnifiques. Assorti à ces papiers, nous avons un set de tampons qui s'appelle Émotion effeuillée. Donc, plein de jolies feuilles pour mettre sur nos cartes et des vœux. À cœur vaillant, rien d'impossible. Bonjour, amour et rire à n'en plus finir. À une amie qui me fait sourire. Nous avons aussi un set de die qui est super beau avec des feuillages. Les die des feuillages, des tampons que l'on peut découper, mais aussi quelques bordures. Magnifique. Cette collection est également vendue avec ces petits cerceaux dont on peut faire des mini attrape-rêves pour mettre sur ses cartes et pas mal d'autres choses aussi. J'ai déjà plein d'idées, vous allez voir. Donc les plioirs de gaufrage qui sont adaptés à la petite machine de découpe qui va être vendue d'ici cet été. Sont très beaux. Les rubans, donc c'est un lot de deux rubans. Il y en a un qui est un fil tressé doré. Voilà. Qui est très beau, très léger. Le coup de cœur intégral pour quelqu'un qui, comme moi, vous le savez, adore le doré. Ce sont ces feuilles d'ornement. Donc, il y a 6 feuilles dans le paquet. Et vous voyez, ce sont des décorations dorées. Comme elles sont belles. Et donc 3 feuilles qui sont comme celle-ci. Ça resplendit. Le soleil est rentré dans la maison. Voilà. Et 3 feuilles comme ceci. Une autre collection que j'ai vraiment beaucoup appréciée, qui n'est pas du tout dans le même style, vous allez voir, s'appelle Élégance naturelle. Donc, elle est vendue tout d'abord avec des sets de papier, donc toujours 30-30, mais celle-ci, vous avez 24 feuilles. Donc, c'est vraiment un très gros bloc. Et ce ne sont que des photos de matière. Des très belles photos de matière. Ils sont du coup très polyvalentes. Du bois, de la brique, des matières naturelles,
des tissages. Avec cette collection, nous avons aussi un set de tampons et son set de dye assorti. Le set de tampons s'appelle Touche d'élégance. Donc là aussi, il s'agit vraiment d'un basique. Sur le même tampon, vous allez à la fois des superbes vœux, une fleur, un feuillage et deux tampons de fond, une superbe plume. C'est vraiment un lot pour quelqu'un qui débute, qui me paraît complètement adapté. Le set de dye qui est assorti est un set de dye d'étiquette. Donc là, on est aussi dans les débutants. Enfin, on remarque, moi qui ne suis pas débutante, j'en ai jamais assez des étiquettes. C'est quelque chose qui est vraiment, vraiment très important dans le scrap. Ça se met partout. Il y a plusieurs tailles, plusieurs formes. C'est magnifique. Certaines ont un bord couture. D'autres non. Vous avez même ces deux petits cercles là qui sont vraiment magnifiques. Ils sont tous isolés. Voilà. Un bon basique. Un plioir à gros frage qui va avec. C'est un plioir à gros frage qui fait un effet textile. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Des petites décorations en bois. Ça aussi, ça sert toujours. Vous savez peut-être que Stamping Up, chaque année, nous fait découvrir 5 nouvelles couleurs. Et donc, les nouvelles couleurs 2020-2022 sont sorties. Et j'ai pris les cartes notes et les enveloppes coordonnées. Ces nouvelles couleurs. Regardez comme elles sont belles. Ça me permet d'avoir 10 bases de cartes et 10 enveloppes dans les nouvelles couleurs. Déjà tout fait. Hein. J'ai également pris les poids laqués qui sont coordonnés. Donc j'ai pris le lot de cartes Souvenirs et compagnie qui s'appelle Des fleurs pour chaque saison et dont les couleurs sont complètement coordonnées également avec les nouvelles couleurs de Stamping Up. C'est vraiment très très beau. Il y a aussi toute une collection sur ce thème. Pour l'instant, je n'ai pas prise. Mais que je prendrai certainement, bien sûr. Regardez. Et des tournesols, des roses. Et voici mon dernier article, le set de tampons et le set de dye assorti. Birds and Branches. Il comprend ce set de tampons, donc avec ces jolis petits oiseaux, le nid et les branches, les œufs, un petit cœur. Magnifique. Ce sont des tampons en deux étapes, c'est-à-dire que on tamponne d'abord un petit tampon, puis ensuite on met la couleur par-dessus. Ce sont donc des tampons qui sont en résine. Pour qu'on voit bien quand on tamponne, qu'on voit bien à travers. Et vous avez le set de dye qui est tout simplement merveilleux avec ce joli petit cercle ajouré avec des branchages, une bordure. Vous avez bien sûr les deux petits oiseaux qui peuvent se découper. Vous avez également des fleurs, le nid qui est dans le set de tampons et deux petits oiseaux que l'on peut découper sans avoir tamponné les oiseaux auparavant. Une grande branche qui sert toujours beaucoup. Je sais d'expérience. Voilà. Je vous le dis tout de suite, je vais vraiment me régaler à utiliser tout ce matériel. Je vous montrerai bien sûr ce que j'en ai fait. Le nouveau catalogue sera à votre disposition à partir du 2 juin. Si vous voulez
vous procurer un de ces catalogues et que vous n'avez pas de démonstratrice, laissez-moi un petit commentaire sur ma boîte mail et je vous en enverrai un avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite sur les ateliers de Nelly pour un nouveau tuto bien sûr. Au revoir.